Comment tu peux m'amener une fille qui porte de chaînes aux pieds? Hein? Les femmes ne sont pas des pagnes qu'on peut changer du jour au lendemain. Oh, bonjour, maman. Abyss est là? Oui, il est là. Ok, je suis venue voir Abyss. Ah, j'oubliais. Prends ça, c'est pour toi. Je t'ai apporté ça. C'est pour moi. Voilà. Abyss, tu viens. Abyss, reviens ici. Abyss. Je viens quoi? Je vais la raccompagner, on va payer quelque chose là rapidement, je reviens. Je vais venir tout de suite. Mon fils revient. C'est qui celle-là? Moi, c'est Aurel. Aurel. Aurel, ça va? Bonsoir la vieille. C'est qu'on partait manger quelque part rapidement. Je vais rentrer tout de suite. Dis-moi, et Zinab? Zinab? Sinab et moi, c'est gâté depuis très longtemps, on n'est plus ensemble. J'ai fini avec Sinab. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, moi, j'ai fini avec elle. Quelle valeur a-t-elle apporté à notre relation? Aucune valeur. Moi, j'ai fini avec elle. Je suis avec Aurel maintenant, maman. Mon fils, je ne suis pas d'accord avec toi. Sinab est une très belle fille. Elle est bien, elle est respectueuse. Je suis ici. Tu m'as amené Aïcha. Je suis ici. Tu m'as envoyé sa Fiat. Et Zénab que tu m'as amené. Et puis je suis tellement contente. Aujourd'hui maintenant, tu m'amènes encore Aurel. Toi-même, tu trouves ça normal? Hein? Mon fils, change de comportement. Les femmes ne sont pas des pagnes qu'on peut changer du jour au lendemain. Hein? C'est pas bon pour ta personnalité. Ok, maman, j'ai compris. Je veux la accompagner et revenir. Dis-moi, elle n'a pas d'enfant? Si, elle a des enfants. Tu vois, Zénab n'a aucun enfant. Zénab, je l'admire très bien. C'est une fille très bien, elle est décente. Et puis elle porte des habits très propres, très décentes. Toute la famille l'aime. Mais regarde par contre celle-là que tu as amenée. Regarde toi-même. Comment tu peux m'amener une fille qui porte de chaîne aux pieds? Hein? Ok, j'avais bien compris. En tout cas, Aurel, s'il te plaît, reviens. Elle m'a apporté ceci. C'est très gentil de sa part, mais je ne veux pas. Viens chercher ça. Viens chercher ton cadeau. Merci beaucoup. Tu as fini. Hein? C'est moi qui suis bête, non? Et j'ai perdu mon temps. Et je me suis même permise de te saluer, de te donner un cadeau. Attends. Et tu te permets le vilain luxe de me le retourner. Attends, c'est pas ta faute, la vieille. Aurel. Et puis, c'est à cause de ton fils. C'est pas respect pour ton fils. Sinon, j'allais mal te récupérer. Aurel, attends. Avec moi, attends. On ne blague pas. Elle. Attends, tu parles à ma mère comme ça. Et puis quoi? C'est quoi ce langage? Elle est impolie. Regarde ce qu'elle a mis comme chaîne aux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma mère. Et puis quoi, ta mère? Comment tu parles comme ça, ma mère? Qu'est-ce que respect, hein? Parle à ta mère. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bah. C'est devant moi, tu fais ça? Bébé, on y va. Allez où? Attends. Devant moi, tu insultes ma mère comme ça? Attends. Ça va dans ta tête? Attends, Abyss, je ne comprends pas. Non, à cause de ta mère, tu me renies, moi, Aurel, aujourd'hui. C'est ma mère! Je vois maintenant. C'est ma mère! C'est maintenant, j'ai compris. Telle mère, tel fils. Vous êtes tous deux dans le même bateau. Vous êtes tous deux les mêmes choses. Mais laisse-moi te dire que ça ne va pas se passer comme ça. Après avoir fini de profiter de moi, Comment tu peux me jeter ma mère? Comment tu peux jeter ma mère? Donne-moi le téléphone. Comment? Et puis, c'est pour ne pas te faire honte. Sinon, tout ça là que tu as mis sur ton corps là, c'est avec mon argent, j'ai pris ça. Je t'aurais tout débarrassé. Maman, ne te fâche pas.